C'est parti pour une nouvelle partie de Minecraft avec la snapshot 20W51A en mode solo. Donc une partie que j'ai déjà débutée il y a un bout de temps et qu'il va falloir poursuivre. Alors qu'est-ce que j'ai ? Un petit peu de ménage avant de partir. Ça c'est toujours utile. Oui, un Enderman qui est mort tout à l'heure, mais... on en reparlera plus tard, c'est pas bien grave. La nourriture, on stocke. Voilà, là j'ai ce qu'il faut pour partir. À manger pour les chiens. Ça et ça à déplacer ici. Hop, il y a de la flèche, On en rajoute un petit coup. Là, il y a du stock. Allez. On va faire d'abord un premier petit tour des maisons. Oui, dit bien des maisons parce qu'il y en a quelques-unes un petit peu éparpillées partout. Il y a deux groupes, il y a celui-là, donc ici, avec un élevage de chiens, quelques poules, les coursiers par là, et de ce côté-ci, on va vite fait voir, on a donc une petite plantation de blé pour alimenter nos amis les poules, et par là-bas les bœufs. Tiens, une poule qui s'est encore échappée. Pouf, a pu. Ouais, je vous laisse. Voilà, donc là il y a du monde, il n'y a pas à dire. Donc vous voyez au fond là-bas, je suis parti, j'ai fait un petit aménagement, mais on va pas y aller maintenant. Ça chemine jusqu'au bout ici, là, et après on a dans une zone où on a des villageois, comme vous pouvez le voir, avec qui je suis en mauvais terme. Tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour voir les villageois? Bon, on va s'équiper un petit peu, on va aller voir les villageois. Ça peut toujours être rigolo. Je crois qu'en plus, j'ai ce qu'il faut pour les énerver. On va y aller avec quelques chiens. Pareil, je les appelle des chiens, mais ce sont des loups, hein, bien entendu. Mais on va partir avec eux. Et on va surtout reprendre le plein de flèches. On va s'en rajouter un petit coup. Bon, je pars avec une dizaine ou une quinzaine de chiens, ça sera pas mal. Voilà, pour les flèches c'est bon, les chiens on en a déjà 3. L'intérêt étant de toucher un villageois et les chiens après se jettent dessus et le terminent sans que moi j'ai besoin de bouger de mon emplacement. Alors les villageois, en fait, voilà, très belle découverte, je ne connaissais pas du tout, et leur habitat, on va dire, ressemblait à une grande montgolfière. Je dis bien ressemblait parce que bah, depuis, je suis quand même légèrement intervenu dessus, en me disant que pour les faire disparaître, ces villageois, il fallait peut-être faire disparaître leur habitat. Eh ben non, non, malheureusement, ils sont toujours là. Toujours à m'embêter, à revenir de temps en temps, ils me poursuivent même quand je me déplace. Voilà, donc c'est pour ça que là j'ai un équipement à eux, une bannière menaçante. Une de plus, hein, parce que vous avez pu remarquer qu'il y en avait quelques-unes qui décoraient cet habitat ici. Allez, on y va. J'aurais pu prendre un cheval. Mais après le problème c'est qu'il faut rentrer. Et je préfère rentrer à pied. C'est beaucoup plus simple. Oui, je suis pas très doué avec les raccourcis clavier et tout le bazar, donc je fais, comme vous avez pu voir, les mouvements de roulette. Ça commence fort, j'ai déjà faim. Des craintes. Allez, hop.
Qu'est-ce que je fous avec une pelle? Oui. Oh, qu'est-ce que je fous avec des bâtons? Ça va se demander. Bon, allez, hop. Donc là, par ici, sur la gauche, il y a une faille qui a déjà été explorée. Il ne doit pas rester grand-chose dedans. Et voilà la zone que je partage avec les villageois. J'ai déjà commencé à explorer toute cette partie par là. C'est pour ça qu'il y a ces feux de camp qui permettent de marquer les directions. Et voilà le petit point où je me positionne habituellement quand j'attends les villageois, une fois que je les ai un peu énervés. Alors, on se positionne. Bon, là, il y a trop de chiens presque. Et à chaque fois, je me dis, arriver ici discrètement, c'est impossible. C'est parti! Ah, ça commence fort. Alors, voilà un qui se fait bouffer. Là-bas au fond, non? Voilà, donc là ils sont assez énervés et ils commencent à viser plutôt bien. Et moi je suis comme un con, comme d'habitude, à pas prendre la bonne route. Je les entends tuer mes chiens, mes loups, au fur et à mesure. Aïe! Donc bien sûr, je suis équipé d'une armure en diam, avec pour certains enchantements. Bref, donc là, normalement, bloc, bloc, bloc. Et là, on rigole parce que, bien entendu, ils m'ont pas suivi du tout. Pourtant, je suis pas parti vite. Hein. J'en ai marre. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne? Pas vraiment le choix. Et on va les prendre par le côté. Cette fois-ci. J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup, de toute façon. Je vais surprendre, ça marche pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, comment voulez-vous surprendre des gens avec une meute de loups qui gueule à côté de soi? Donc voilà, ça c'était l'emplacement où ils étaient positionnés. Donc là, voilà, hop. Ouais, faut que j'arrive à monter sans me faire tirer dessus, ce qui est jamais gagné. Ouais, ils sont un peu nombreux. Hein. Comment ça, je suis pas doué? Ben oui, je suis pas doué. Si j'étais doué, je saurais comment affronter cette horde de bestioles, non, de personnages. Oh, mais c'est pas mal là. Donc voilà, ça c'était la grosse blague. Mais ça craint parce qu'en fait les chiens ils tombent. Et ils se tuent tout seuls. Donc c'est un peu deb. Ah, et moi je casse la gueule aussi. L'idée étant de pouvoir
Qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, je me prends deux flèches et je suis mort. Je sais. C'est ma grande force de nullité. D'avoir tout ce qu'il faut pour m'en sortir et puis bah, au final, oublier de le faire. Allez, chien, on est poursuivi là. Au boulot. Voilà. Donc de ce côté-ci, je dois avoir, voilà. J'avais aussi fait un système comme ça. Pour les obliger à traverser la rivière. Et donc se faire tirer dessus et se faire bouffer éventuellement par les loups. Pof. Ouh, bah, y a du monde. Mais j'ai vu qu'il y en avait un qui avait réussi à passer. Hein. Et normalement, s'il me tire dessus, il va se faire bouffer par les loups après. Je dis ça, mais oui, si. Fais-le, voilà. Oh, mes pauvres loups, ils pleurent. Bon, bah c'est pas mal, ça. Oui, ça c'était la totale. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? N'importe quoi. Vous voyez là-bas, celui au fond, là ? À faire revenir. En pleine nuit, c'est peut-être pas la peine. Ben voilà, il suffit de descendre pour qu'il y en ait un qui arrive. Ouais, ils sont un peu violents quand même. Pourquoi il y a de la poudre d'os? Je ne sais pas. Donc cet arc-là, je n'ai pas voulu le faire réparer parce que ça fait déjà deux fois que je le répare et il va me coûter 18 niveaux alors qu'en enchanter un autre et le fabriquer et l'enchanter par la suite, celui-là ne m'a coûté que 3 niveaux. Bon, ils sont calmés, ils viennent plus. En même temps, c'est la nuit, je sais, je devrais rester au calme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, le squelette qui a bougé juste au moment où j'ai tiré dessus, chacal. Quoi? Un zombie qui a tué un loup? Il se permet des choses en ce moment, hein. Vous voyez, hein, donc là-bas,
une autre zone que j'ai déjà visitée. Bon, bah j'ai ramené qu'une seule bannière, je suis un peu déçu presque. Hein. Ah, je vais laver. Non! Ça, c'est dégueulasse. Allez, on tente. Moi, pour aller récupérer mes flèches. Tac, tac. Wow! Ah, lui, je l'ai vu sauter de l'arbre. De... Ouais, comme un grand pouf. Allez, toi aussi. Donc, c'est ça, leur arbre magique, là? Oui, oui, bah écoute, j'essayais au moins. Oh, il est joli ton arbalète. Allez, bouffez-le. On y va. C'est, corps à corps, c'est quand même mieux avec une épée. Et ça fait moins de dégâts qu'une flèche. Ah, bah voilà, toi, je t'attendais. Bon. Ah ouais, t'es dans l'eau, ça marche pas. Je récupère ta bannière. Cool. Allez, on s'enfuit. Ouais, non, c'est bon. Mais bon. Ah non, je sais pas. Ah, je croyais que c'était l'autre. Allez, les chiens. Enfin, les loups. Hop, on ferme la porte. Quoi ? Encore un pire qui m'a... Non, mais... Qui s'arrête avec mes loups ? Ah, quoi que non, en même temps. On a que ce qu'on mérite, hein. Ah bah si, cette fois-ci, ils sont venus. Donc le système marche bien. Ils sont obligés de faire le tour. Qui me permet de leur mettre... Oh tiens, salut le zombie. Je disais, ce qui me permet de leur mettre une flèche ou deux dans la tête. Enfin, deux flèches, ça suffit largement. Et voilà. Petit gain de niveau. Pas trop compliqué. Vous avez vu comme moi quelque chose par là? Non, j'ai rêvé. Allez. On va rentrer. Oui, bah c'est bon. Oh. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Allez, faites-le bouffer. Par les chiens. Ils ont fini ou pas? Non. Voilà. Je comprends plus rien. Bon, allez. Voilà, c'était un petit tour. Bonjour, je t'ai vu. Oui, par contre, l'autre là-bas, je l'aime pas. Les creepers et moi, on n'est pas copains. Donc, à distance. Il y a du monde. En même temps, c'est un peu normal. Quand on se balade la nuit. Là, c'est du chien. Hop. Là, il y a du creeper, mais je vais réussir à passer. Hop. Et nous en retournons dans nos pénates. Là, il y a un décalage et un truc un peu dégueu. Ah, je t'ai vu, toi, là-bas. J'aime pas les creepers, j'aime pas les creepers, j'aime pas les creepers. C'est pas tellement pour ce qu'ils me font à moi, mais ils tuent mes chiens. Un nombre de loups qui sont morts à cause des creepers.
Allez. Retour à la maison. On a gagné 3 niveaux, 2 niveaux. Et surtout, de nouvelles bannières. Ah, encore un creeper. De nouvelles bannières. Ah, mais c'est spécial creeper ce soir. Hop là. Donc je disais, de nouvelles bannières à installer. Alors peut-être pas dans celle-là, parce que, comme vous avez pu le remarquer, cette maison-là, elle est déjà bien, bien décorée. Hein ? Il y en a un petit peu partout, là. Enfin, pas par l'arrière, là-bas, mais bon, en même temps, c'est vraiment comme ça s'appelle l'arrière. Voilà, on voit ici. Hop, on grimpe avec les échafaudages. Ça, c'est super truc, ça. Vraiment un outil encore mieux que les échelles. Le petit coin dodo. On va se mettre un petit peu de... Ah oui, non, la musique, je l'ai déplacée dans un nouvel, voilà, nouveau emplacement. Avec le petit coin alchimie. Et la musique. Ah, j'ai plus la place. Oui, ah, je vous ai dit, je ne suis pas très doué. Hop. Crac. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que de la musique, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si on va se coucher parce que le jour est en train de se lever déjà. Hop, on refait un petit peu le ménage. Je donne à manger à Mélo. Qui c'est qui se plaint là? Non. S'il pouvait manger des os, ce serait bien. Mais non. Ça va où? Ah oui, c'est l'alchimie, ça. Bon, on va d'abord vider ces arbalètes qui me serviront pas grand-chose. Ça, j'ai été en manque de ficelles dernièrement. Et là, voilà que c'est à nouveau... Qu'est-ce qu'il faut? J'ai pas plus que 4 chiens, il y a quand même d'autres qui sont restés dehors. C'est pas possible sinon. Vous avez tous mangé les chiens? Non. Toi t'as mangé. Toi t'avais pas fini. Les ingrédients ici, ça vous n'en aurez pas besoin. Étonnant. Tiens. Et ben voilà, comme je disais, on n'a pas eu le temps d'aller se coucher. Et ben tant pis. Mais on va quand même s'arrêter là pour cet épisode. Donc c'était l'épisode des villageois, rencontre avec les pillards. Allez, à bientôt pour une prochaine découverte du secteur.